Allez-y, assieds-vous. Je voulais vous rencontrer, j'ai reçu plusieurs CV, mais le vôtre m'a particulièrement plu. Donc, est-ce que vous m'aviez ramené une lettre de motivation ou un CV ? Oui, je vous ai ramené ça. Merci. Alors, vous êtes diplômé d'État depuis 3 ans. Mmh. Vous avez travaillé au CHU de Lille. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé ? Bah, très bien. J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec des personnes âgées. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis présenté. J'ai ma grand-mère aussi qui m'a élevé, du coup ben, je me suis un peu occupé d'elle. D'accord, donc vous êtes occupé de votre grand-mère. Citez-moi 2 qualités et 2 défauts. Ben, une qualité, ben, je suis sociable, d'accord. J'aime être avec les gens. Je suis allé beaucoup à l'écoute aussi. Et ben, ce qui concerne les défauts, ben, je m'attache vite aux gens, un peu d'accord. Trop. Et après, je pense que c'est tout. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi une autre offre d'emploi ? Parce que j'étais à la recherche d'un emploi. Et j'étais sur Internet et je tombais dessus, donc j'ai postulé. D'accord. Avec comme un pour mes critères aussi. Voilà. Je pense que mes attentes reflètent cet entretien. Donc, j'attends de vous que vous soyez exemplaire. Comme cet entretien que nous venons de passer. J'attends de vous que vous preniez soin de ma mère car ça me tient énormément à cœur. Je vais faire tout ce qu'il faut pour prendre soin de votre mère et la garder en bonne santé. Si vous êtes toujours d'accord et que vous voulez bien, je vous propose de commencer dès demain. C'est parfait, on se revoit là, Jalo. D'accord. Bonjour, comment allez-vous? Il fait beau aujourd'hui, ça vous dit d'aller faire un petit tour dans le jardin? Oui. Tu rappelles comme mes mères, hein. Tiens, vas-y, bouge. Mec, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça pue. C'est toi qui pue comme ça? Faut te laver toi. Ça pue là. Allez. Ah non, je pue trop. Ça va pas, hein. Tu peux pas te laver, moi, tu te démerdes. Bonjour Paulette. Comment ça va? Vous avez bien dormi? Mais c'est quoi ça? Vous avez fait quoi? Vous en avez parlé à vos filles? Ça me semble bizarre. Bon, reposez-vous bien, je vais faire le ménage. Bon voilà Paulette, j'ai fini votre ménage. Par contre, je vais en parler à vos filles, parce que je trouve pas ça normal ce que vous avez sur le bras. Mais bon, sur ce, bonne journée. Au revoir, à la prochaine. Bon, c'est à toi de regarder un petit film. Tu vas kiffer ça, mère. Bouge pas, j'arrive. Putain, je suis con, je peux pas bouger. Maman, je sais qui est. Comment réussir?
moi je t'adore. Ah tu me dégoûtes, de toute façon je t'aime pas, vas-y tiens, prends mon sang. Bon, ton heure a sonné, Paulette. Quel point je suis spécial. Bon, ce sera qui la prochaine? Bah je sais pas, en tout cas j'espère qu'elle aura des boucles d'oreilles. Ouais,